Excellences, Madame la Présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, je sais que la journée a été longue, très laborieuse, donc je serai très bref. Je voudrais remercier Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Abiy Ahmed, comme de tradition, d'inviter l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement à un dîner après une journée pleine. J'ai écouté attentivement notre ami, le président du Conseil européen, qui a dit des mots très touchants. Certes, nous sommes des partenaires. L'Europe est l'un de nos plus grands partenaires. Partenaire commercial, mais le commerce entre l'Afrique et l'Europe, tout au long de l'histoire, n'a pas été un commerce juste. Ce fut le commerce des esclaves. Ce fut le commerce des entreprises qui ont de comptoirs dans le continent africain. J'espère que la nouvelle formule commerciale, notamment avec les CFTA que nous avons lancés, va être une autre forme de commerce. L'Afrique s'organise, s'intègre, veut prendre son destin en main et veut traiter d'égal à égal pour ses propres intérêts et bien entendu les intérêts des autres. Mesdames et Messieurs les chefs d'État, nous avons abordé aujourd'hui des questions cruciales dans notre continent. Juste avant de suspendre nos travaux, nous avons justement parlé du commerce, de ce formidable projet que nous avons lancé, qui est la zone de libre-échange continentale. Nous avions parlé également de la réforme institutionnelle en cours. Nous avons abordé brièvement le thème de l'année concernant la sécurité et la paix, que nous allons certainement approfondir demain avec le rapport du CPS sur la question. Ce sont des questions importantes. Je suis heureux que l'on se retrouve dans cet espace magnifique. Le Premier ministre Abiy Ahmed, il y a quelques jours, m'a fait le tour du propriétaire pendant 2 heures de temps, où j'ai vu un spécimen de la transformation qui est en train de se réaliser dans ces pays. C'est extraordinaire. Toutes mes félicitations. Je crois que cela préjuge que si nous décidons de faire les choses, on peut les faire, on peut bien les faire. Bon appétit, bonsoir.